Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro-Congo News Sport. Voilà.
ils ont croisé beaucoup de textes et se sont basés sur le croisement de ces textes, des textes de la FIFA, des textes de la CAF, des textes de la FIFA. Parce que le championnat ne s'était pas arrêté, ne s'était pas poursuivi après le 22 décembre, je crois, à cause de moyens, faute de moyens. Ce qui relevait de la responsabilité de l'État, du ministère du budget, du ministère des Finances, qui ont refusé de financer, excusez-moi la titre de tautologie, de financer la poursuite de la compétition. Donc, comme ils ont refusé, le championnat s'est arrêté en mi-chemin, et ça devait porter préjudice parce qu'il y a certaines équipes qui étaient très bien lancées et qui pensaient qu'elles pouvaient terminer si pas la première, la deuxième, même la troisième place et continuer à jouer l'Afrique, aller pour la première fois en Afrique ou revenir en Afrique. Donc maintenant qu'ils ont pris cette décision, pour moi je trouve que la formule est bonne, la décision est bonne, mais c'est comme une médaille, chaque médaille a le revers. Et le revers, c'est que, un, sur les quatre saisons qu'ils ont, sur lesquelles on s'est basé, qui ont été prises en compte. Il y a eu une saison où il y avait le Covid, et donc on ne pouvait pas prendre en compte cette année, pour cette saison. Et puis, l'autre revers, c'est que Saint-Olon-Pompon est parmi les équipes qui ont plutôt bien joué. Pompon a très bien joué. Pompon, je ne dirais pas que ça pète la forme, mais c'est parmi les équipes dynamiques sur lesquelles on pouvait compter. Pompon est retourné en Afrique ça, après beaucoup de temps, après 15 ans, je crois, d'absence. Donc Pompon est en train de réapprendre comment jouer les compétitions africaines. Après le fiasco de nos quatre représentants dans la saison passée, nous espérions que les quatre équipes ou les équipes congolaises pouvaient tirer des enseignements et pour essayer d'améliorer. Donc nous comptions aussi par un jour le propos, mais malheureusement le propos n'est nulle part au vu de ses performances sur les quatre saisons qui ont été prises en compte. Donc j'imagine que le propos, les dirigeants de le propos, les supporters, les joueurs, tout le monde est déçu et tout le monde sera déçu si cette décision est maintenue. Et nous aussi, nous serons vraiment déçus. On se demande est-ce qu'il n'y avait pas moyen de trouver une autre formule, mais je ne sais pas. Parce que quand les décisions tombent, souvent elles ne font pas l'unanimité, on ne peut pas contenter tout le monde. Ben, c'est déjà arrivé. Tout ce que j'ai à demander aux uns et aux autres, c'est de jouer à fond. Et de ne pas se faire mettre sa figure. Donc c'est tout ce qu'on se demande. Il faut jouer à fond et jouer comme il faut pour ne pas faire de la figuration parce que la saison passée en compétition africaine, c'était vraiment un fiasco. Nos équipes, dans leur poule respective, elles se sont dans leur poule, dans leur groupe respectif, pourrais-je dire. Et nos équipes se sont passées derrière. Et ça n'est pas normal. C'est pas normal, si je crois que ce n'est jamais arrivé. Ça veut dire que le football congolais est en place. Maintenant, que nos débats sont derrière nous, est-ce que nous pouvons vraiment réellement glisser? Voilà, cette fois-ci, quand même, ne pas aller faire de la figuration. Mais peut-être que l'état du football congolais. Merci, Colin. Merci, Colin Dibondo à Kalanga. Nous avons le secrétaire général du Lopopo, Donald Olongoy, avec nous. Donald. Bonsoir, mon monsieur le secrétaire général. Bonsoir, merci. Oui, dans votre intervention de la semaine passée, vous parliez des rumeurs en disant que puisque ce sont des rumeurs, qu'elles puissent juste mourir à ce niveau-là, mais des rumeurs, ce sont révélées des vérités. Le championnat de l'édition a été annulé. La première des équipes, c'est votre équipe, le Popo. Qu'en pensez-vous? Pour nous, c'est un scandale. Il y a pire que ça qu'on attendait, mais là, donc je pense que cette décision tombe à midi. Est-ce qu'elle est régulière, elle est légale, elle est bon, tout ça nous indispose et ça nous met mal à l'aise.
une décision qui a été prise lorsque vous interrogez les règlements et les tests. Il n'y a aucun test qui a pris cette décision. Et nous pensons seulement que ça a été fait à Manima pour nous écarter. Et bon, seuls les décideurs qui l'ont prise peuvent vous expliquer les fondements de ces décisions. Mais à notre niveau, nous pensons qu'elle va être retirée, elle va être corrigée, parce que nous ne l'accepterons pas telle qu'elle se présente. Et M. Gagnon, comment comptez-vous vous y prendre? Le comité de normalisation est là pour nous. Le COPO va attaquer la décision. Nous allons faire un recours. Nous allons saisir la demande du comité de normalisation. Et nous allons essayer de relever les quelques faiblesses qui entourent cette décision. Et pour lesquelles, tout de suite, elle peut être annulée, la décision. J'ai une ordonnance présidentielle, c'est peut-être retirée, corrigée, rectifiée, pourquoi pas une décision prise par les dirigeants du football. Au football, nous prenons les fair play. Donc, nous sommes confiants qu'ils comprendront qu'il y a eu des petites erreurs matérielles dans cette décision qui peuvent éviter à son retrait. Quel est votre argumentaire à ces sujets-là? Écoutez, l'argumentaire, ce sont les règlements généraux sportifs. Par rapport au classement, par exemple, des équipes dans un championnat, c'est l'article 224 qui parle du classement. Cette décision viole cet article-là. Et quand vous allez au règlement du championnat, le règlement du championnat de la foot, cette division précise à son article 61, que le classement il est établi à la date de l'arrêt du championnat. Donc, on en dit aussi bien que la disposition qui dit lorsque le championnat n'est pas fini, on fait recours à 3 éditions ou 4 éditions. C'est quoi les critères pour s'arrêter à 4? Pourquoi ne pas aller à 5? Pourquoi ne pas aller à 10? Pourquoi ne pas aller à 7? Pourquoi ne pas considérer toutes les éditions qui ont déjà été jouées en aller-retour? C'est quoi les critères qui ont milité à ça? Et donc, l'argumentaire du PS. Et le reste, je vous avoue par exemple aujourd'hui que le classement qui vient d'être publié dans les 3 villes CK de la 6 clubs de Kinshasa, un club de la 2e division. Et donc, d'office, la saison prochaine, il y a CK doit jouer la Ligue 1. Et ce classement qui est considéré, il est dit, c'est le classement considéré pour la fin de cette division, il ne prend pas Céleste, alors que Céleste est en division 1. Et donc, où est-ce qu'on a mis Céleste? Céleste va jouer la Ligue 2. Pour la Ligue 3, on sera rabattu à la division inférieure. Donc, c'est des erreurs matérielles graves. C'est des erreurs graves. Donc, la saison prochaine, nous allons nous retrouver avec le CK qui ne s'est pas qualifié en Ligue 2 pour jouer la Ligue 1. Nous allons nous retrouver avec Céleste qui est débarqué alors que Céleste est 4e au classement partiel cette saison. Et Céleste va être obligé de jouer la Ligue 2. C'est pas normal. Donc, nous pensons que nous ne faisons pas l'entrée en bras de fer avec le comité de normalisation. Nous sommes un club de football. Nous prenons le fair play. Nous allons leur démontrer que cette décision est facile à retirer. Est-ce qu'il y a, dans votre expérience de sportif, de gestionnaire, vous avez une énorme expérience, mais c'est dans l'Ombroy, même ailleurs, est-ce que vous avez une jurisprudence comme celle-là? Non, moi, ce sera la première fois. Ce sera la première fois dans le monde entier qu'il y ait une telle disposition qui parle des résultats cumulés. Je me dis qui a donné cette idée-là. Qui a chuchoté cette idée aux oreilles du président Sambi. Mais c'est pas possible, ça. La jurisprudence, nous savons qu'il y a déjà des années ici en République démocratique. Pourquoi on n'a pas joué les championnats d'aller-retour? Pas plus qu'il y a la saison passée. Le classement de la saison passée qui a été validé par la CAF et pour lequel 4 clubs nous avons joué, les interclubs de la CAF. Mais ce championnat n'avait pas pu faire, on n'a pas joué la phase retour. L'année antérieure, du temps de Covid, de la pandémie de Covid, mais les équipes n'avaient pas joué le même nombre de matchs. Mais le classement a été validé. Jamais on n'a parlé des compilations de saison et il est sorti des résultats cumulés. C'est pour nous une invention. Et je pense que ça nécessite des explications.
Est-ce que, monsieur, je vous dis, oui, non, s'il vous plaît, oui. Si jamais, par exemple, la saison prochaine, la question qu'on se pose, si la saison prochaine également, les championnats ne se terminent pas, on va les courir à combien de saisons? On va rester avec le même classement que cette saison qui vient d'être publiée, ou il y aura un autre classement? Si jamais la saison prochaine, les championnats aussi ne se terminent pas, vous voyez que c'est un antécédent qu'on va créer et qui risque d'être préjudiciable au football congolais. Oui, je voudrais juste un peu me mettre à votre place et penser au cas où la FECOFA ne répondrait pas de manière satisfaisante à votre préoccupation. Est-ce que vous suivez un organisme international? Je ne pense même pas qu'on va en arriver là. Le bon sens va nous animer. Les dirigeants du Congo sont des dirigeants responsables. Nous ne pensons pas qu'ils vont accepter qu'on y aille jusqu'à ce niveau-là. Je pense que ça va être ça. Et là, on va intérêt à réfléchir la décision et pour rendre justice et laisser les équipes qui peuvent valablement représenter la République dans le championnat de la CAF. C'est un message d'espoir que vous donnez à toute la famille Lomba et à tous les sportifs congolais. Parce que le sport, ce n'est pas de la guerre. Le sport, c'est comme on dit, le fair play. Je ne peux pas leur demander de faire autre chose que ce que je viens de dire là. Nous pensons, avec le bon sens, les uns et les autres, parce que là, on a pissé une grande chaîne, fait un micro-baladeur, dites, ok, cette saison, elle est déclarée blanche. Si tu n'as quatre clubs que vous pensez qu'ils peuvent valablement représenter la République démocratique du Congo la saison prochaine, je pense qu'à 99% des noms du Congo va être repris. Déjà ça va motiver à ceux qui dirigent. Il y a intérêt de maintenir un club aujourd'hui suffisamment organisé, qui met suffisamment de moyens, qui recrute suffisamment de bons joueurs, qui peut aussi réellement représenter valablement la République. Ce n'est pas dépendre des équipes qui vont faire des allers-retours et après, c'est pour la première fois, je le dis ici, sans crainte d'être contredit, c'est pour la première fois que la République démocratique du Congo a vu ses quatre clubs qualifiés en phase de poule. C'est pour la première fois. Donc c'est quand même je dirais même du progrès qu'on pouvait protéger. Et donc on ne peut pas remettre en cause ces efforts-là. Je propose un peuple congolais. Et donc nous sommes engagés dans les championnats, dans les mêmes conditions que tout le monde. Nous avons fini d'ailleurs au classement par cette deuxième. Et donc nous battions pour soit maintenir cette place, soit prendre jouer pour le titre. Mais quel est le moral du président du club? Bon, c'est un homme serein, un homme très calme, mais en même temps un homme qui est déçu aujourd'hui. Il est déçu, il ne pouvait pas, vous savez, il est venu avec beaucoup d'ambition, et quand il a vu des choses comme ça, il s'est dit, mais est-ce que ça vaut la peine de continuer à investir dans les sports? Ça vaut la peine parce que vous pouvez vous mettre des moyens et tout d'un coup, on vous disqualifie comme on veut le faire. Donc, je pense qu'il continue à garder les moyens et il croit à ce que je vous dis au bon sens, les dirigeants du Conor, notre recours va être introduit dès demain, toujours au même comité de normalisation, et je pense que quand ils auront analysé notre recours, ils pourront comprendre que nous avons raison. Monsieur Denis Longoy, pour toujours rester à Lubumbashi et chez Lopopo, et la réhabilitation du stade avait été faite, est-ce que quelques collectifs qui devaient être menés pour qu'ils répondent aux normes de la FIFA et de la CAF ont-ils été menés, ont-ils été déjà accomplis pour les stades de la Kenya, le stade qui va se réaliser? Bon, je suis mal placé pour répondre à cette question. Hein. C'est le stade qui va se mettre à partir de l'État congolais. Ce n'est pas le stade de l'Opopo. Oui, mais c'est déjà le stade d'honneur. C'est Diaboula qui a mené tous les travaux. Il est réhabilité par le gouvernement provincial, qui, par coïncidence, a comme gouverneur notre président. Et donc, cette question-là, si vous la posez
au ministre provincial au sport, la dame Linguani pourrait avoir de bonnes réponses à vous. Nous nous attendons seulement que notre province, que le gouvernement provincial mette à notre disposition et aussi d'ailleurs à la disposition du sportif. Le choix est Katangé ou Katangé. C'est mes jours au stade de Kibasa qui ne va pas servir quel propos. Qui séjourne actuellement le championnat national de dames, ce n'est pas seulement le propos qui joue. Donc c'est ça, c'est un bien de l'État et l'État a tout intérêt à les réhabiliter. Et déjà pour ça, nous félicitons le gouverneur parce que c'est dans son règne qu'on est en train de rénover ces bijoux. Donc nous attendons. Nous n'avons pas assez de précisions en tant que secrétaire de l'OPOPO. Merci bien, M. Donald Molongo. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'OPOPO qui nous accueille en direct à partir de Lubumbashi. Merci et bonsoir. Merci, Robert. Bonsoir, pour les auditeurs de la radio. Nous serons tranquilles que ça pour prendre Maître Adrien. Maître Adrien, bonsoir. Bonsoir, Dieudonné Joseph Kabé Ngalula. Bonsoir à tous les amis sportifs. Dieudonné, la semaine qui vient de se terminer a été animée par certaines décisions prises soit par les Connors, soit par le ministère des Sports. Les Connors, contre toute attente et à la surprise générale, avaient saisi le club, faisant voir à ces derniers qu'il organisait la 58e édition de la Coupe du Congo. Au départ, Dieudonné, c'était vraiment amusant et surprenant pour tous les sportifs qui se respectent. On ne pouvait pas s'imaginer que les Connors puissent se comporter comme le faisait la Fédération Congolaise de Football Association, qui du reste a été remplacée par ces comités de normalisation, tout simplement parce que rien ne marchait, aucun texte n'était respecté, il n'y avait pas de bon sens et moins encore trop de désordre. Les Connors ont oublié vite qu'il n'y a pas si longtemps, deux semaines passées, ces comités de normalisation avaient réuni les preuves et certaines instances sportives, là je cite la Ligue nationale de football, pour faire voir à ces derniers qu'il y avait impossibilité que le championnat reprenne. Et d'emblée, les équipes pouvaient déjà renvoyer leurs athlètes pour se reposer et voir comment est-ce qu'ils vont préparer l'édition prochaine. Et immédiatement, le club a exécuté ces communiqués-là. Toutes ces équipes ont renvoyé les joueurs, les uns à l'étranger, les autres dans leurs provinces respectives, pour se reposer et attendre le calendrier de reprise des entraînements. Et ces mêmes Connors, lorsqu'ils étaient au club, qu'il y aura la 58e édition de la Coupe du Congo, c'est pour que ces clubs-là jouent avec quel type de joueurs. Voilà là où les Connors n'ont pas semblé jouer un vrai jeu vis-à-vis de ces équipes. Dieudonné, il y a lieu de rappeler que les Connors tel qu'il est là, il a un pouvoir limité. Les Connors ne peuvent pas
se comporter comme une fédération élue qui du reste a un plein pouvoir sur tout acte ou geste qui concerne le football en République démocratique du Congo. L'économe a été installé sur base d'une décision prise concomitamment par la FIFA et la CAF. Et le CONOR a deux principales missions. La première, c'est organiser le football congolais. La deuxième mission principale, c'est l'organisation des élections en commençant par la base jusqu'au sommet. Mais qu'est-ce que nous constatons? Les CONOR, au lieu de se focaliser sur ces deux missions principales, les CONOR commencent à aller au-delà même de son pouvoir. Et c'est là que je suis en train d'appeler la CAF et la FIFA d'intervenir immédiatement. Parce que ce que les CONOR est en train de faire, ce que les CONOR subissent aujourd'hui, personnellement, je peux. J'ai peur de constater que ce qu'on a décrit avec le comité Omari et consorts est en train de revenir sous une autre forme. C'est comme qui dirait, on a déshabillé Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Je ne pouvais pas imaginer que nous puissions en arriver là. La première porte, même si beaucoup de gens ne l'avaient pas signalé, c'était la nomination. Donc le CONOR a commencé par balayer le secrétariat pour nommer d'autres individus au secrétariat. Mais ce pouvoir-là ne lui est pas reconnu. Mais voilà, on a saisi la CAF. La CAF n'a jamais répondu. N'a jamais répondu à cette contestation-là. Et personnellement, je comprends que c'est le jeu de la CAF que le CONOR est en train de jouer. Et c'est très dangereux. Dieu merci de donner parce que Son Excellence, Monsieur le ministre des Sports, a essayé un peu de recadrer le CONOR. Pour dire qu'il était aussi surpris de voir que, au lieu d'annexer le calendrier à la demande de la prolongation de la saison d'un mois, mais les CONOR commencent par publier déjà le calendrier pour saisir maintenant le ministère après. Et ce dernier a estimé que la prolongation qu'il va donner concerne tout simplement le finissage du championnat féminin qui est en train de se dérouler à Lubumbashi. Et là, chapeau bas, parce que lorsque vous êtes saisi par des irrégularités, il faut répondre par irrégularité encore. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les CONOR sortent une autre décision contradictoire pour présenter les équipes qui vont jouer les interclubs de la CAF. Si au niveau de la Champions League, il ne se pose aucun problème, car quel que soit ce qu'on pouvait faire, mais il y a un problème au niveau de la Coupe de la Confédération. L'un des principes, là je suis d'accord avec le CONOR lorsqu'il dit que cette saison, le championnat ne s'est pas du tout joué, et le CONOR a déclaré l'année la saison blanche, et le CONOR évolue, là je suis d'accord lorsqu'il estime qu'il ne pouvait pas prendre en considération l'édition passée, parce que cette édition-là n'a pas aussi connu une fin normale. Oui, c'est normal, c'est ce que je
je le disais toujours. Mais là, je ne suis pas d'accord avec les Connors. Les Connors pouvaient prendre en compte l'édition 2021-2022. Dans quelle édition était émaillé des problèmes vite qui étaient champions sur terrain, mais avec les boutiquages que tout le monde avait connus, on a écarté vite, on a sacré Mazembe, mais au finish, le TAS a rétabli vite dans ses droits. Voilà l'édition qui devait être prise en compte par les Connors. Mais nous faire une mathématique de prendre l'édition 2019, 2020, 2021, même 2022 mise en cause par les Connors, mais on comptabilise les points même de 2022. Voilà là où il y a contradiction. Et là, j'estime que une équipe lésée peut sauter là-dessus pour qu'on puisse annuler cette mascarade du Connors qui, à mon humble avis, est en train de perdre vraiment du terrain et il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas là où commencer. Il ne sait pas comment cheminer. Et c'est dommage. Merci beaucoup. Bienvenue, Joseph Lapierre. Merci pour votre intervention, Maître Adrien. Il aura accueilli à partir de Kinshasa. On va à Bakwanga, en Bougibaï. Arsène Mbonga, bonsoir. Bonsoir. Bonjour, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Canada. Dites-nous comment les sportifs de Mbougibaï ont-ils réagi à la décision du Connors tombée hier. Merci de l'opportunité que vous m'offrez. Il faut dire qu'en Bougibaï, l'incompréhension les questions ont été suscitées au terme de ces décisions du Connors parce que on ne s'y attendait pas dans la mesure où les expériences passées ont montré un autre processus qui a conduit à la désignation des représentants du pays aux compétitions d'Afrique et Club. Donc cette première a suscité à la fois quelques indignations dans le camp de ceux qui pensent que leurs équipes ont été défavorisées par la décision, mais surtout plusieurs questions sur les réelles motivations de ce calcul qui a été fait pour sortir les représentants du pays dans les interclubs. Donc de manière globale, surprise, quelques indignations et surtout beaucoup de questions que se posent les sportifs à Mbujimayi. Entre autres, évidemment, la première question qui est largement revenue dans les débats à travers les milieux sportifs ici, c'est que pourquoi ne pas prendre les équipes qui ont été sacrées ou qui sont arrivées à l'ordre utile la saison dernière, comme cela est déjà arrivé dans un passé récent dans notre pays, et ça arrive parfois dans certains pays où les championnats n'arrivent pas à terme. Pourquoi faire ces cumuls de points? Est-ce qu'il y a derrière des visées? Est-ce qu'il y a des équipes qui sont visées? Voilà, Arsène Mbonga disparaît à l'anglaise. Sans signaler, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on va essayer de le relancer si c'est possible. On va le revoir encore. Alors que nous sommes en train de chercher à terminer cette émission. Nous présentons encore une fois de plus dans des conditions difficiles. Oui, Arsène, vous êtes revenu, mon frère. Merci, Dieu donné. Je ne sais pas si ce que je disais déjà tout à l'heure a été. Oui, là, on vous a récité. Oui. Vous continuez. Sinon, j'ai dit. Première de cette mathématique est faite pour avoir les représentants. Nous avons connu dans ce pays, on a même pris l'habitude malheureusement d'avoir des saisons sportives qui parfois s'achèvent en catastrophe, où il y a parfois des situations qu'on n'aimerait pas voir, mais jamais la FECOFA a déjà fait ce genre de mathématiques pour dégager les équipes qui devraient
regardé les équipes qui ont préparé cette édition n'ont pas joué le même nombre de matchs. C'est tout à fait normal. C'était vraiment impossible de valider cette saison. Ça, c'est une décision logique. Mais après, est-ce qu'il ne fallait pas recourir aux résultats de dernière saison, en tout cas la dernière, qui a connu une issue normale, au lieu de faire les cumuls de points de 4 ou 6, 3 dernières saisons? C'est cette, justement ces calculs qui est une première qui a suscité des interrogations. Mais personnellement, oui, j'ai pour comprendre probablement la démarche du Connor. On sait que dans tous les cas, même si les comités de normalisation décidaient de prendre les résultats de l'année dernière, il y aurait eu toujours des remous parce que certaines équipes se sont tirées fragilisées par cette décision. Et puis la saison dernière également, nous savons comment elle s'est terminée, et un peu en catastrophe aussi. On s'en ramasse, mais ensuite c'est Vita Club qui va l'audace et puis Vita Rotary. Donc c'est toute cette difficulté, probablement, selon notre propre analyse, qui a conduit le Connor à faire cette mathématique pour ne pas se retrouver devant une trop forte contestation, étant donné les complications qui ont entaché aussi la dernière saison, la saison sportive. Donc, dans tout le cas, le Connor se serait toujours retrouvé dans une situation où il y a des parties lésées, où il y a des contestations. Et donc, personnellement, nous pensons, à notre avis, que cette mathématique est certes une première, mais elle est la solution la moins problématique. La solution la moins problématique, la moins contestable à notre avis. Parce que là, on part quand même de 3 ou 4 dernières saisons, on fait le total de points, c'est dire qu'on prend les meilleures équipes sur les dernières saisons, et non pas seulement sur une saison. Pour nous, nous pensons que c'est une initiative, certes une première, qui doit d'ailleurs être expliquée au public sportif pour en dégager les biens fondés, mais qui, à notre avis, la décision la moins mauvaise, l'option la moins contestable à votre avis. Et c'est génial, c'est bien trouvé par le corps. Ok, merci Alfred Ponga. Vous avez suivi sur notre antenne le FC Lorient qui n'apprécie pas et dans notre club aussi qui n'apprécie pas cela. Merci beaucoup, cher frère Alfred Ponga en Rouge-Maille. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission Capisport de ce dimanche 4 juin 2023. Merci à nos metteurs en ordre, merci à Polydor Robasunga, merci à... Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.